La maison communale Ducle que vous connaissez, située place Van der Helst, a été inaugurée en 1883, une époque où notre commune comptait 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 84 000. Résultat, au fil des années, notre administration s'est étalée sur 7 sites différents. C'était à la fois compliqué en termes de services à la population et extrêmement coûteux en matière notamment de dépenses énergétiques. Nous avons donc fait le choix, il y a plusieurs années, de centraliser l'ensemble des services à la population sur un même site, dans un bâtiment exemplaire, réalisant notamment de très importantes économies d'échelle et d'énergie. Il s'agit donc d'une vision à long terme, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, un seul bâtiment, pour l'ensemble de la population ucloise, recentre l'ensemble des services à la population. Ce bâtiment, à la fois, est beaucoup plus pratique, mais il offre aussi un meilleur accueil à la population. L'actuelle maison communale que vous connaissez, nous la conservons et nous continuerons à y célébrer notamment les cérémonies de mariage. Nous avons acquis un très beau bâtiment des années 70, mais qui d'un point de vue énergétique posait problème. On a donc décidé d'entamer une rénovation lourde. On en a fait un bâtiment qu'on appelle exemplaire, en démontant toutes les façades, en plaçant des nouveaux vitrages, en plaçant des panneaux photovoltaïques et également en récupérant la chaleur des égouts dans un principe qu'on appelle la réothermie et qui est breveté, un projet pilote en région bruxelloise. On récupère cette chaleur des égouts, on la transforme en énergie et on alimente notre système de chauffage et de refroidissement du bâtiment. Le bâtiment est situé rue d'Ostal, juste en face de l'arrêt wagon tram 4. À proximité du parking de Delestage, à proximité de la gare de Calvout et de la gare de Stal. Il dispose aussi d'un parking pour les visiteurs et d'importants parkings pour les cyclistes. On a prévu des emplacements de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et la rampe d'accès au bâtiment est située du côté de la rue Gatti-Gamont. Le déménagement de l'administration communale, c'était aussi le déménagement de tous nos services techniques. Pour ce faire, juste en face du bâtiment administratif, on a construit un nouveau bâtiment, le centre opérationnel Stal, qui est un bâtiment passif et qui accueille nos ateliers, le garage, la menuiserie, les différents magasins communaux. Et donc nous sommes installés désormais dans un périmètre très proche. On peut dire que toute l'administration communale et tous ses services sont réunis sur ce nouveau site autour de la rue de Stal. Au rez-de-chaussée de la maison communale, on a installé le Coffee Corner, où on peut prendre un café, déjeuner. C'est accessible évidemment aux membres de l'administration, mais aussi aux habitants du quartier, aux gens qui travaillent dans le quartier. C'est un lieu de convivialité au cœur de l'administration.